from Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Printemps 1947. La guerre froide est déclenchée pour de bon. Tour à tour, on assiste à l'expulsion des ministres communistes du gouvernement français en mai, bientôt suivi par tous les pays occidentaux, de l'Italie au Danemark. La riposte soviétique, un peu embarrassée au départ, ne se fera pas attendre très longtemps. Blocus de Berlin, grèves insurrectionnelles en France et en Italie, intensification de la guerre civile en Grèce, coup de Prague. Pourtant, après cette première phase de mouvement intense, la guerre froide cesse de se réchauffer. L'affrontement des deux blocs se stabilise progressivement dans un rapport de force essentiellement statique en Europe. En Asie, la violence est beaucoup plus présente, mais même là, l'Amérique n'affronte jamais directement ses adversaires soviétiques et chinois. Comment un tel endiguement de la violence politique a-t-il été possible? La réponse la plus simple consiste à mettre ce succès inespéré au compte de l'arme nucléaire, dont l'effet inhibant aurait suffi à stopper net l'agressivité des belligérants potentiels. Cette explication technologique, pour ne pas être fausse, n'en est pas moins bien courte. En amont de la disposition par l'Amérique de l'arme nucléaire, qui aurait pu tout aussi bien aboutir à la recherche effrénée de l'aventure, il y a en effet une conception stratégique unifiée de la puissance américaine, sorte de bréviaire collectif qui a imposé une ligne de conduite prudente et une approche indirecte de la puissance. Cette théorie a été élaborée peu de temps après le triomphe de 1945 par un petit groupe d'hommes également résolus et convaincus, « a few good men ». Comprendre leurs idées et leurs motivations, c'est comprendre la logique profonde de cet étrange affrontement de 40 ans au cœur du XXe siècle. Qui sont ces hommes? Certains d'entre eux sont déjà entrés au panthéon de l'histoire, comme George Marshall. D'autres ont vu leurs souvenirs s'estomper avec le temps, comme Dean Acheson. L'un, sans doute le plus important, n'est connu que des spécialistes. C'est George Kennan. Présentons-les au moment où leur influence va devenir déterminante avec la mort de Roosevelt et la désignation de son successeur à la présidence. Harry Truman, qui devient président en avril 1945, se prépare en effet sans complaisance au nouveau combat qui s'annonce avec Staline. Après une brève période de transition, le nouveau président se choisit pour chef de sa diplomatie, comme secrétaire d'État, le général George Marshall. Issu d'une petite école militaire de Virginie, George Catlett Marshall devient entre les deux guerres l'un des rares officiers d'état-major efficaces que comprenait la petite armée des États-Unis. En 1938, Roosevelt, sentant la guerre venir, le promeut par-dessus 34 de ses supérieurs hiérarchiques pour en faire le chef d'état-major général de la future et gigantesque armée de conscription qu'il entend se donner. Administrateur hors pair, Marshall dirigera depuis son bureau de Washington une immense organisation administrative et technique qui étend son emprise sur l'Europe et le Pacifique. En 1946, Truman, après l'avoir envoyé près d'un an en Chine, essayer d'éviter le déclenchement de la guerre civile, le place à la tête du nouvel état-major du temps de paix, qui est devenu le département d'État, qu'il envisage comme le moteur, cette fois-ci pacifique, de la reconstruction de l'Europe et du monde. Marshall y sera secondé dès le départ par un brillant avocat de centre-droit, d'origine canadienne, Dean Acheson, qui s'est rapidement imposé comme un véritable stratège tout autant qu'un excellent juriste, apte à rédiger clairement des traités internationaux. Le trio est complété avec l'adjonction de George Kennan, le véritable chef de la représentation diplomatique américaine dans la Russie en guerre et qui est, de fort loin, l'Américain qui comprend le mieux Staline et la Russie. Son long télégramme de février 1946, consacré à analyser les motivations profondes du pouvoir soviétique, publié quelques mois plus tard, sous une signature anonyme autant que mystérieuse, 3X, par l'officieuse revue Foreign Affairs, va formaliser l'attitude américaine vis-à-vis du communisme. Il s'agit d'un habile plaidoyer pour une politique de fermeté sans hystérie. Ce texte va faire par la suite de Kennan, à la tête de l'état-major de planification politique du département d'État, le véritable cerveau de l'administration Truman et du plan Marshall. Entrons donc dans le détail du raisonnement de Kennan sur les rapports Est-Ouest, et essayons d'en démonter la logique. La conception fondamentale de George Kennan est paradoxale puisqu'elle est tout à la fois pessimiste à court terme et très optimiste à long terme. Dans l'immédiat, il ne croit absolument pas aux interventions pacifiques de Staline et des siens.
l'Union soviétique est animée d'un dynamisme extrême à la suite de son extraordinaire victoire de 1945. Elle ne connaît dans les rapports avec ses voisins que des vassaux ou des ennemis. Elle cherchera encore à étendre ses conquêtes en Europe, ainsi qu'au Moyen-Orient et en Chine, installant partout ses clients attitrés. Mais Kennan démonte dans le même temps les impasses à long terme de la stratégie soviétique. Privé d'accès au commerce mondial, l'Empire soviétique est voué à s'étioler, il peut même connaître effondrement et famine. À un stade donné de crise interne, l'Empire soviétique en viendra nécessairement à composer. La recommandation politique de Kennan est donc la suivante. Dans un premier temps, il faut casser le ressort agressif de l'Union soviétique en le contenant, c'est-à-dire en l'empêchant de se détendre. Cette politique, c'est le containment au sens strict. Par ailleurs, il faut éviter le rollback, c'est-à-dire l'aventure qui consisterait à essayer de reprendre par la force ce que les communistes ont arraché au lendemain de la guerre, au risque d'un nouveau conflit. De l'autre côté de la nouvelle ligne de front, la priorité absolue doit être accordée à la prospérité matérielle des territoires sous contrôle occidental. L'Amérique gagnera cette guerre si elle étend les bénéfices du New Deal à l'ensemble du monde occidental. Ainsi, la théorie du containment de Kennan fournit-elle à l'administration Truman tout à la fois une ligne de conduite claire et une voie moyenne. D'un côté, la nouvelle stratégie exclut toute complaisance envers le régime stalinien, c'est une critique voilée de Roosevelt, mais dans le même temps, elle gère avec une extrême prudence la composante purement militaire du conflit. Et elle conclut par la nécessité, même en politique étrangère, d'un primat de la politique intérieure. La condition sine qua non pour vaincre, c'est de produire moins de canons et davantage de beurre que l'ennemi. Littéralement, la doctrine Kennan est l'antithèse de la doctrine Hitler des années 30. Elle va aboutir en Europe au plus colossal effort de redressement économique concerté, le plan Marshall. Le plan Marshall résulte en effet directement de la logique du containment. Les États-Unis doivent accepter tacitement le partage du monde avec l'Union soviétique, mais à l'intérieur de leur zone, ils peuvent assurer l'exemplarité de leur modèle. Le plan Marshall résulte aussi d'une analyse économique, l'industrie américaine est en surcapacité depuis la fin des hostilités. Sa reconversion civile menace d'être douloureuse si elle ne trouve pas de nouveaux débouchés outre-mer. L'intérêt commercial rejoint ici la plus haute politique, garantir l'Europe de l'Ouest de la contagion communiste en assurant un relèvement rapide du niveau de vie et le plein emploi. Pour tout cela, les États-Unis décident dès le début de 1947 de lancer une véritable offensive stratégique de grand style inspirée de la planification militaire de la guerre. George Marshall voudra mener cette campagne avec les mêmes moyens que le débarquement de 1944, y compris la propagande. Le 5 juin 1947, il choisit le grand amphithéâtre de la plus prestigieuse université du pays, Harvard, pour dévoiler son plan grandiose de reconstruction économique de l'Europe, désormais attaché à son nom et qui lui vaudra peu après le prix Nobel de la paix. Habilement, le plan est proposé à l'Union soviétique et aux pays de sa sphère d'influence. Après quelques hésitations à Moscou, Staline contraint les siens à refuser l'offre américaine. C'est désormais l'affrontement et il faudra moins de 5 ans au bloc soviétique pour perdre entièrement la bataille sur le plan économique, le plus important de tous. La combinaison d'une dépense civile américaine généreuse et d'une défense militaire bon marché, la menace nucléaire, qui économise les forces classiques, aura permis, à un coût très faible, de reconstruire l'Allemagne de l'Ouest et de geler la menace soviétique en France et en Italie. C'est la démonstration de l'efficacité exemplaire du containment. Malheureusement pour Dean Acheson, qui a conçu l'essentiel de ce que l'on appelle à présent le plan Marshall et qui croit à la priorité absolue du relèvement de l'Europe occidentale, l'application du containment à la situation de l'Asie, qui lui incombe directement quand il remplace Marshall à la tête du département d'État en 1949, va s'avérer beaucoup plus difficile. L'Asie, à son tour, connaît en effet la même division que l'Europe, mais 3 ans plus tard, avec la victoire totale des communistes chinois de Mao à partir de 1948 sur le Kuomintang, le parti nationaliste chinois du maréchal Chiang Kai-shek, réfugié à l'été 1949 dans l'île de Taïwan. Pourtant, après avoir discrètement atténué son soutien à Chiang Kai-shek et habilement mais vainement tenté de se rapprocher de Mao afin de le détacher de Staline, Acheson espère encore faire de la Chine communiste une sorte de Yougoslavie asiatique à mi-chemin entre Washington et Moscou. Cette tentative trop proclamée
provoquera en réaction l'initiative habile de Staline visant à déclencher la guerre de Corée avec l'aide de son ami Kim Il-sung quelques mois plus tard. Le containment a apparemment échoué en Asie dès 1950. La fin de la présidence Truman est ainsi marquée par l'éclipse des hommes du containment. Antisémite discret mais vigoureux, Marshall s'était mis hors jeu de toutes les façons dès 1948 par son opposition avec le président sur la reconnaissance de l'État d'Israël. Opposant quant à lui au réarmement allemand et à la politique d'Adenauer, George Kennan devra démissionner à son tour en 1951 du Policy Planning Staff du département d'État. Plus coriace, Dean Acheson parviendra encore à faire limoger le général MacArthur en Corée quand celui-ci cherchait à imposer au président une guerre totale avec la Chine. Mais sa carrière politique s'achève néanmoins un an plus tard, en 1952, avec la fin de la présidence Truman. Pourtant, en Europe, au Japon et même en Corée du Sud et à Taïwan après l'armistice de 1954, le containment a fonctionné parfaitement. Il illustre la puissance stratégique et conceptuelle de la démocratie rooseveltienne appliquée au difficile problème de l'équilibre nucléaire. Et il est sans nul doute ce que l'Amérique a donné de meilleur au monde à un moment crucial de son développement, afin de sortir de la menace d'une guerre civile planétaire.